Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, au programme de cette vidéo, de la musique, des bateaux, de la mer, on est à l'aire de camping-car des Sables d'Olonne à Port-Olonnais et on va vous faire découvrir tout ça, même si on a déjà fait sur la chaîne pas plein de vidéos sur les Sables d'Olonne. Ça c'est pas grave, ça sera une vidéo supplémentaire sur les sables. Bonne vidéo, générique. Alors le petit problème, c'est que on a perdu Zach au lac du Jaunet. Seulement, les voisins m'ont envoyé, m'ont envoyé un SMS hier soir, comme quoi ils l'avaient aperçu. Donc il est toujours là-bas. Alors on ira le chercher demain, parce que là, du coup, j'ai payé l'emplacement jusqu'à demain soir. Et donc, nous, on part demain après-midi, je pense. Et puis, comme ça, on va aller récupérer le chat. J'espère qu'on va le retrouver. Sinon, j'habite pas trop loin. J'ai laissé mon numéro de téléphone à l'accueil, à la réception du camping. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu vide, hein, sans notre Zach. Mais on va le retrouver. On a confiance. De toute façon, un chat, il n'a pas vraiment de notion du temps. Donc, qu'on aille le récupérer aujourd'hui ou demain, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à la bonne heure pour qu'il ne soit pas en train de faire la sieste. Mais je pense qu'il va entendre le camping-car, il connaît la machine. Il va entendre le camping-car et puis il va venir apeurer. Il doit avoir faim. Mais tant pis pour lui, il fallait pas qu'il s'en aille. D'ailleurs, merci aux tout derniers abonnés. Hein. J'ai vu qu'il y en avait plein qui s'étaient abonnés, donc c'est super. Bravo, hein, continuez comme ça, cliquez sur les j'aime. Faut nous encourager, faut laisser des commentaires aussi, parce que comme ça, ça fait marcher la machine, ça fait marcher la machine pour le référencement et tout ça. C'est pas une chaîne pro, hein, vous allez voir, en plus de ça, là, mon ordinateur il déconne un petit peu, donc je peux plus faire comme avant avec le logiciel, mais bon, c'est pas grave, ça ira, hein, ça ira bien. Voilà. Allez, à tout de suite. Initiation à la salsa, okay. Avant le concert. 5, 6, c'est parti. Et marche. Et marche. Encore une fois. Et 1. Et 5. On y va, mambo. Et 1. Et 5, 6 et 7. Encore. Et 1. Rumba sur le côté. Feu. 1, 2. Et 6 et 8 et 1. 2. Encore une fois sur place. Maintenant. C'est dur. Et... Et toi, tu regardes. Et voilà, on a retrouvé le chat qui était perdu. Alors, faut lui donner de l'eau.
Mais je lui ai donné de l'eau, mais il n'en veut pas. Ah bon, on va lui donner sa pâtée. Bon, alors, il était à côté des sanitaires. Donc, les voisins, ils avaient raison. Je lui ai envoyé un message, d'ailleurs, pour dire qu'on l'a retrouvé. Et puis, bah voilà, là, on va pouvoir aller vers d'autres contrées avec l'esprit plus sain. Ah, faut qu'ils boivent. Eh bien, nous voilà rendus à Saint-Jean-de-Mont. On a récupéré le chat qui est juste là. Non, bah tu peux pas le voir. Et du coup, on se retrouve à Saint-Jean-de-Mont. On a visité... Fais attention. Non, mais reste normal. Mais c'est bon. Donc, on a visité un peu Saint-Jean-de-Mont tout à l'heure. Bon, c'est assez touristique. Il y a plein de boutiques, de vêtements, des bars, des bonbons, des glaciers... des kebabs, des restaurants, il y a un peu de tout. Et puis bah, ce soir, on va essayer d'aller faire un tour de grande roue à 5 euros. Voilà. Et là, on attend pour manger, c'est en train de chauffer dans le camping-car. Donc voilà. Rendez-vous tout à l'heure. Rebonjour tout le monde. Maintenant, on est à Saint-Jean-de-Mont. Et on a retrouvé chat. Camping du parasol, on est parti des sables, on l'a vite retrouvé, il y a des gens qui nous ont montré où il était. Et tout à l'heure on va aller à la plage et on va aller faire un tour de grande roue. À tout de suite. Ouais, c'est un air assez sympathique, les places sont assez larges, on peut se garer assez facilement, mettre le storban. La plage, elle est à combien? Elle est Jeanne? Elle est à 100 mètres. 100 mètres à pied. Le village, il est à... allez, à 400 mètres. 400 mètres à pied. À vélo, il y en a pour 5 minutes. Bon, après, c'est Saint-Jean-de-Mont. Hein. Saint-Jean-de-Mont, c'est un peu ouais, les boutiques partout, les magasins de glace. Enfin, voilà. Alors, il y a la grande roue. On va aller faire la grande roue, hein, comme vous a dit Jeanne juste avant. Et quoi d'autre? Et il y a des manèges. Ouais, il y a plein de manèges, il y a un circuit de karting, il y a un parc d'attractions en face de l'aire de camping-car, il y a même un acrobranche. Je sais pas si on va le faire. Il y a des trampolines. Ouais, vous avez entendu, il y a des trampolines. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, par contre ce qui est cool c'est qu'à 100 mètres de l'air du camping-car, et ben voilà, il y a la playa. Allez, on va se baigner. Pourquoi tu dis toujours la playa et pas la plage? La plage. Ouais. Bah oui, mais t'as vu la chaleur qu'il fait? Faut parler espagnol. Hein. Tu vois, regarde. Quand tu vois une petite fille comme ça, t'as l'impression d'être où? Et ben t'es à la mer. Mais par contre, tu sais pas dans quelle commune. Pour le moment où tu es, t'as l'impression d'être à la boule. Parce qu'il y a plein de monde. Alors, regarde, il y a Jeanne aussi qui est là. À la boule ou au Sable d'Olonne. Mais en fait, non. On est sur une des plus belles plages de Vendée. Une des plus belles baies de Vendée. Par contre, quand tu regardes derrière, je vais vous montrer tout de suite, c'est pas pareil. Bah, c'est beau. Nous, on va aller faire la grande roue. Allez. Attends, je zoome. Pof. Allez, on va à la grande roue. Et on est bien. Elle est super en fait. Cette plage de Saint-Jean-de-Mont, elle est top.
Et l'eau, elle est bonne ou pas? Oui. Oui, comment? Un peu froide, mais ça va. Et les vagues, c'est rigolo ou pas? Les vagues, c'est gros. C'est gros? Bah ouais, mais c'est bien. On va à la roue alors? T'as dit quoi? Plus c'est gros, plus c'est amusant. Ouais, on va à la roue ou pas? Oui. Allez, go, c'est parti. Attends, mon short. Oui, bah moi aussi. Donc c'est bon, t'es prête Clémence ou pas? Oui. T'as peur ou pas? Non. Non? Jeanne, t'as peur ou pas? Non. Ça va être bien? Ouais. Ouais? Oui. Allez, on y va. Ça y est, on est dans la roue. Ça démarre. Ça va ou pas? Pas oui, trop peur? On est trop contents. Non, je joue pas quand même. Ça démarre. Oh là là, oh là 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 là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oh, oh le stress. Attends, je vais vous montrer ma tête. J'ai peur. J'ai peur. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là, j'ai le vertige. J'ai le vertige. Bon, c'est vraiment pour faire plaisir aux filles. Parce que moi, je suis vraiment vertige man. Oh, c'est oh, le grand boulevard de Saint-Jean. Wow. On voit toute la ville. On voit même le petit chapiteau là. Ouais, mais on voit que Saint-Jean-de-Mont, c'est vachement la forêt hein, quand même. Ouais, et c'est grand. C'est la forêt et la mer. Bon, on la voit pas beaucoup. Et voilà, c'est le forêt. Où ça? Là, regarde. Ah ouais, là, il y a la fête foraine. Ouais. Oh la vache, on est haut! Wow, on est presque en haut! Tu m'avais pas dit que t'avais le. Ah là, bah moi j'ai le vertige, hein, t'es folle! Toi. On descend! Oh ah, faut pas, je regarde pas en bas en fait, parce que là je vais vomir. Bon, je coupe parce que. Oh là, et puis il nous arrête en plus. Oh là 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 là. Bon, je coupe. Il est 11h moins le quart, il fait 32 degrés. Et bah c'est pas mal! Ça va, ah, là on est au ras du sol, donc c'est bon, tout va bien. Et on remonte. Oh non, non, faut pas que je regarde par terre, j'ai le vertige. Toi t'as le vertige ou pas, Clément? Non. On voit les vagues, on voit les vagues. Wow. Superbe. Waouh. Non, 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 restez assise, vous me faites peur. Oh là là, on est à 40 mètres de haut là, oh là 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 là, ça va Clémence, t'as pas trop le vertige quand tu regardes en bas? Moi j'ai mini peu le vertige. Un petit peu quand même? Oui, moi j'ai. Oh, oh, faut pas que je regarde en bas parce que là je vais vomir. Donc je regarde devant moi en fait. Il faut regarder. Alors on est en train de descendre, c'est reparti pour un tour après. Ah et voilà, comme dit tout à l'heure, on se retrouve dans un nouveau tableau. Et c'est l'Acrobranche. Donc il y a les copains qui nous ont rejoint là, Dimitri qui va nous faire un concert d'accordéon ce soir. Hop, super accordéoniste, super guitariste de jazz. Il y a Yanis qui est là et les filles et direction l'Acrobranche. Yes. Tu vas où là? C'est par où? Là à gauche. Allez, première fois à l'Acrobranche. Allez, vas-y Clémence. Avance. Allez, vas-y. Avance. Et là, tu sautes. Super. Allez, c'est parti. Bravo. Allez, c'est parti, allez Yanis. Et voilà, bim, impeccable. Allez, t'es prête? Allez, go. Allez. C'est bon, t'as réussi? C'est bon. Ah bah super, donc bon, on a réussi le niveau 1. Donc, allez, départ jaune au niveau 2.
Voilà, avec les bracelets jaunes. Donc c'est parti. C'est bon, elle a tout compris. Pof, elle a mis son truc. Pas de problème. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, c'est parti. Oh, allez. Elle est contente. Allez, vas-y, Clémence. Une vraie aventurière. Super. Bravo. Il est excellent, ce parc. Je vous le conseille. Bah, c'est pour ça que je fais une vidéo, d'ailleurs. Vas-y, Yanis. C'est filmé. Ouais. Un grand coup, tu retournes ici. On est où hein, quand même hop. Si on regarde. Et là, est-ce que monsieur, là, on est vous pouvez tirer la corde verte, s'il vous plaît. On est à 3 mètres de haut. Non, ah, peut-être un peu plus, 3-4 mètres. Et après, tu vas pouvoir aller directement là-bas. Allez, go. C'est parti. Jetez bien la corde devant. T'es sûr que tu veux pas le faire? Ça va être compliqué là. Ah, il y a des ondes qui attendent. Ils ont peur. Hein. Hop là, et voilà. Attends, je zoome. Vas-y, tu peux faire tes grimaces si tu veux. Super. Alors, bien ou pas? Je commence à m'inquiéter, je dis elle est où ma fille? J'ai perdu ma fille. Et là tu viens. Mais elle est dans les arbres. Ça a l'air d'être hyper bien. Et la grande tyrolienne alors, super ou pas? Super, mais je me suis un peu coincée. Ouais, j'ai vu à l'arrivée. Mais j'ai réussi à me rattraper. C'était pas si dur en fait de pousser les trucs. Voilà, ici s'achève cette partie 2 des vacances. Oui, alors, Jeanne, tu fais l'imbécile derrière. On va peut-être filmer ce soir. On va essayer d'aller faire un petit tour à la fête foraine, mais le temps est pas franchement au rendez-vous. Oh, c'est pas forcément pour nous déplaire, parce qu'au moins, c'est des températures supportables. Bon, il pleut un petit peu, par contre, donc on verra. On verra ce qu'on fait. Et ben, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les internautes. Tu dis au revoir. Au revoir.